Les émissions de cuisine sont à la mode. Ferrari possède la sienne depuis une quinzaine de jours. Prenant la forme d'une web-série, elle oppose des apprentis pilotes à des apprentis chefs cuisiniers. Deux élèves de la Ferrari Driver Academy, l'école de pilotage Ferrari qui prépare les futurs champions de Formule 1, ont ainsi été sélectionnés pour affronter deux élèves de l'ALMA, une école internationale de cuisine italienne basée dans la province de Parme. Après un premier épisode qui a vu les quatre élèves s'affronter à Maranello, le fief de Ferrari, c'est à Colorno, au sein de l'école de cuisine, que nous emmène ce second épisode de Fast vs Food. Bonjour et bienvenue. Venez par ici. Aujourd'hui, nous allons faire des raviolis. Ne la presse pas, ce n'est pas une éponge. Utilise la paume de ta main. Il ne vous reste plus qu'une minute. Vous choisissez la farce au hasard, les formes n'ont aucun sens. Stop ! C'est fini ! Ne touchez plus à la table. Apportez vos chefs-d'œuvre sur le pass. Le pass est la table où les plats sont entreposés avant d'être servis sur des plateaux appelés gantières. J'aime ça, un peu long peut-être, mais bon, joli travail. Raffaele, au pass. Ok, et où sont les raviolis? Qu'est-ce que c'est que ça? Une plaisanterie? Nico, au pass. Celui-là n'est pas bon, la pâte est trop sèche. Va à la plonge pour laver les casseroles, allez. Et enfin, le cuisinier du jour, Antonio, viens au pass. Ok, tu peux continuer à marcher hors de la cuisine. J'espère vraiment que tu feras mieux avec les gâteaux. Oui, chef. Prêt ? C'est parti pour 15 minutes. Humectez la génoise avec la liqueur. Utilisez le pinceau pour bien imbiber la génoise. La première couche est la crème à la vanille. Ce n'est pas un tube de mayonnaise, c'est une poche à douille. Maintenant, la crème au chocolat. Ok, c'est le moment de fouetter la crème. Et maintenant, vous pouvez commencer à décorer. Stop ! Arrêtez ! Laisse-moi regarder. Ce n'est pas mal. Voyons voir. Bien. J'ai besoin d'un peu d'eau maintenant. Il est tordu. Il semble sec aussi. Vous avez bu toute la liqueur ou quoi? Voilà. Celui-là est bon. Ok, donc là c'est le bon côté. Bon, au moins il y a des fruits. Les épreuves que nous avons faites à Maranello étaient beaucoup plus dures que celles que nous avons eues aujourd'hui. Faire des tortellini est très difficile aussi, hein? Oui, mais quand t'as fait la première, les autres se font de la même façon. Au revoir!
gâteau. Ce gâteau est si beau.